fait large parce que le laine il est très fin comme ça. Mais une fois qu'on passe aux machines de foulonnage, avec l'eau et la température, elle va se redresser comme il ne faut pas faire avec votre pull en cachemire. Nous on fait exprès. Donc c'est une procédure qui prend 7 heures pour arriver avec une densité qu'il faut pour que le béret devienne imperméable. C'est des recettes, c'est des ingrédients, c'est pesé, c'est pourcentage, c'est assez minutieux, quoi, on va dire. Thank you.